avec les potes, on ne voulait pas y aller. Une fois là-bas, on ne voulait plus la quitter. Ma colo d'antan avec Eric, Sylvie ou Pierre, je m'en rappelle, comme si c'était hier. Tout d'abord la rencontre avec monsieur le directeur, puis moins solennel de celle des animateurs. C'est là que la rupture se fait sentir, avec les proches, la famille que l'on voit partir. Allez go! On cherche ses marques, ses repères. Pour mais on veut retrouver son père, sa mère. Au début on est toujours hyper angoissé, puis petit à petit les affinités se créent. Ensuite on s'aperçoit bien qu'il n'y a plus les parents. On réalise qu'on est vraiment seul maintenant. En fait d'y voir on n'est pas si seul que ça. Pour cette colo, 80 dans ce cas-là. Et après un assez long moment d'adaptation, les tout premiers contacts très rapidement se font. Perso d'où je venais me paraissait bien loin, la perspective de ces rencontres me faisait du bien. Allez, on fait. Avec les animateurs, ça y est, on y était, on faisait avec cœur. Ces trois belles semaines sans parents qui te stressent, c'est un des plus beaux souvenirs de ma jeunesse. Autour du feu de camp, le soir ça chantait faux. Pas grave, nous étions vraiment bien, tout était beau. Puis les trois semaines arrivent à leur fin. Et on sent le départ prévu du lendemain. Vincent le directeur ne nous parle surtout pas de la soirée prévue depuis quelque temps déjà. Dernière soirée où il nous dit profitez-en avant de retrouver l'angoisse des profs, des parents. Avant d'y avoir goûté, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas que je me plairais là-bas. Erreur, une telle colo peut être bénéfique. Dans la vie d'un gamin, c'est même magique. Allez, go, 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 go!